Bien le bonjour, alors aujourd'hui on est parti pour une reconnaissance du Trail Relais des Chapelles qui se déroulera le 26 octobre. L'année dernière on avait reconnu toute la partie intérieure qui va de chapelle en chapelle, cette fois-ci on va voir tout le bord de mer, la fin du parcours. Je vous invite à regarder jusqu'au bout parce qu'on va traverser des paysages vraiment très très chouettes, c'est parti! Alors c'est un trail qui a l'image du Bretagne Ultra Trail, part de Gléguer, donc des terres, pour arriver en bord de mer, à Plomeur. Voilà, de la mer, de la terre, il y en a pour tout le monde. Alors il y a une petite bouffine là, et avec mes Salomon Estab V2, là je suis en train de glisser. Ça me rappelle qu'il faut que je reprenne des chaussures pour la Saint-Élion. Bon, un petit terrain joueur quand même parfois. Hein. Ah la vache! Le truc le plus insupportable en trail. Avaler un moucheron. C'est l'enfer! Bon, je force pas trop dans les montées là parce que j'ai les mollets en feu. J'ai pas mal borné ces derniers temps avec la prépa du suivi du Team Bretagne Ultra Trail à La Réunion. Donc on va mollo. Bon, je fais la reco mais c'est pas balisé hein. Du coup je suis la trace et parfois bah à travers, c'est un passage vraiment boueux là. J'ai pas du tout les chaussures adaptées. Je glisse. Bon, finalement, les mollets ça va beaucoup mieux maintenant qu'ils sont chauds. Donc je peux courir tout le temps. Ça va bien plus vite. Bon, j'ai jardiné un petit peu là de l'autre côté avant de retrouver le chemin. Et là, le vent est assez violent là sur la côte. Un peu de vent mais on a une belle vue dégagée là sur Groix juste en face. Et voilà, c'est ici que se termine ce beau parcours du Trail Relais des Chapelles. Je vous laisse avec cette belle vue et à bientôt pour de prochaines aventures.